dans les remparts du château de Vos. À l'origine, un premier château fort fut probablement construit vers l'an 808, au moment où Charlemagne marqua les frontières du royaume d'Aquitaine. À cette époque, le sire de Vos possédait un droit de justice sur un territoire assez vaste, Débreuil et le hameau de Mercurole, Vic et la Lisole. Il fut reconstruit au XIe siècle et encore remanié au XIIIe. Il est au XIIe siècle la propriété des Bourbons. En 1400, la seigneurie de Vos est érigée en baronnie par Louis II de Bourbon en faveur de Robert Dauphin, chevalier, seigneur de Roanne et de Vos. À la suite de la mort du connétable Charles III de Bourbon en 1527, le château de Vos relève alors directement de la couronne. Plusieurs familles illustres s'y sont succédées de 1700 à 1970, dont Chauvigny de Blot, le Loup du Buisson, les Cadiers de Vos, une des plus anciennes familles du Bourbonnais, qui le conserveront jusqu'au milieu du XXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, alors que le château est en très mauvais état, le baron de Vos, Charles Cadier de Vos, député de l'Allier de 1852 à 1870, ami du duc de Morny, fait réaliser d'importants travaux de rénovation entre 1841 et 1846, lui donnant l'aspect que l'on connaît aujourd'hui. En 1973, le baron Eugène de Cadier de Vos le vend à Ephraim Tagori de la Tour, un ingénieur en armement et officier de l'armée britannique né à Jérusalem, vétéran de la bataille de Stalingrad et de la guerre des Six Jours. À la mort d'Ephraim Tagori en 1998, le château se dégrade rapidement et est finalement acheté en 2002 par une citoyenne britannique, Anne-Elisabeth Mintzer. En 2015, naît le fonds de dotation Calligraphe. Elisabeth Mintzer, qui est le nouveau propriétaire du château sans but lucratif, il a pour objectif de sauvegarder le château et d'en faire un centre de tourisme culturel et de la nature accessible à tous. D'après la légende, Lucie, une belle et jeune domestique d'à peine 18 ans, qui est issue d'une famille noble désargentée, fut courtisée par le baron de l'époque, Guy de Daillon, qui était déjà marié à Jacqueline de Lafayette. Alors que ce dernier était parti guerroyer, la baronne, jalouse, en profita pour jeter Lucie dans la prison de la Tour de l'Horloge, située au saillant sud-est de la forteresse. La jeune fille mourut de froid, de faim, de froid et de peur, malgré les observations des villages impuissants. Depuis, elle reviendrait hanter certaines nuits sur le chemin de Rome. L'engouement pour ces phénomènes de châteaux hantés durant les années 1980 amena de nombreux curieux, ce dont Tagori tira profit en faisant sortir de l'ombre le fantôme de Lucie qu'il prétend voir tous les soirs sur les 12 coups de minuit se promener sur les courtines. Durant la nuit du 4 août 1984, une équipe de France Inter, dirigée par le journaliste Jean-Yves Gazia, spécialiste des reportages sur le paranormal, y consacra entièrement son émission Boulevard de l'étrange. Accompagné du médium Raymond Réan et de sa petite fille Aurore,
alors âgé d'une dizaine d'années, l'équipe aurait été témoin de l'apparition du fantôme de Lucy ou de la Dame Blanche dans les hauteurs du château et aurait même conservé des traces tangibles de sa rencontre avec Lucy. Mis à part un enregistreur sonore qui révèle la rupture d'un matériel, tous les autres enregistrements sonores et une photographie n'ont pu trouver à ce jour d'explication scientifique. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour tenter de réveiller les dieux. Nous sommes là pendant 2 jours et 2 nuits, bien entendu. Nous vous remercions donc pour ce visionnage et nous vous remercions également de vous abonner, de commenter et de partager si vous le souhaitez. Nous voilà arrivés au château de Vos. Pascal. Coucou. Et bien, on est arrivé dans un endroit où on va pas dire lieu tout de suite. Hein, peut-être. On va laisser le mystère. Le château de Vos, 2 jours. Alors, ici, de ce côté, au premier étage où il y a les vitraux, ce sont l'appartement personnel. C'est l'appartement personnel de la baronne, baronesse. Voilà, et nous, nous avons dormi donc sous les toits, dans la chambre du milieu. Si j'ai bon souvenir. Je ne sais plus. Bon, c'est dans la chambre du milieu, ouais, j'en suis sûre. Donc ensuite, là, on arrive dans la tour. Voilà. Dans la tour de Lucie, où il y a la chouette et la peinture de Lucie. Et là, c'est le chemin de ronde qui va à la tour. C'est la tour des pendus, c'est ça? C'est la tour des pendus, oui. La tour des pendus. Qui, qui s'écroulait d'ailleurs. Qui s'écroule, donc on n'a pas accès. Donc, c'est quand même ironique. Hein. C'est la tour des pendus, la tour des pendus qui s'écroule. C'est ironique. Et là, nous avons une représentation de... symbolique de Lucie, apparemment. Ouais, là c'est une partie qui est effondrée. Mais ça risque de s'écrouler à tout moment. Voilà, là ce sont les écuries. C'est petit. Et c'est là il sort. Ouais. Du coup, ça va réchauffer un peu. Ouais, c'est tout effondré. Donc du coup, et ben en fait, quand on est dans la tour de Lucie, quand il y a les petits escaliers. Ils montent tout en haut là-bas. Ouais. Donc là, un écusson. 1670. Par là-bas. Ah, c'est chouette ici, j'aime bien.
pièce intersaison, là, c'est magnifique. Ouais. Ah oui, là, on arrive... avec le fameux portail araignée. Donc celui qui souhaitait rentrer dans le château sans y être invité était déchiqueté à l'aide de ce système. Là, on a un panneau d'orientation. Voilà, on peut savoir où se trouvent les villes annexes, hein, les villes mitoyennes. D'ailleurs, là, Chauvigny, les gorges de Chauvigny, c'est très beau, hein, par contre. J'y suis déjà allé quand j'étais gamin. C'est très très beau, hein, les gorges de Chauvigny. Ça n'a pas l'air d'être loin. Hein. Non, c'est pas loin. Hein. Voilà. T'as vu, il y a un projecteur au sol. Je sais pas si t'as vu, il y a un projecteur. Ouais. Alors, il y a un truc très très particulier. Regarde, c'est c'est cabale. C'est cabalistique, ça, c'est, je dirais même, c'est limite, franc-maçonnerie, quoi. Ouais, la restauration, c'est dans le cadre de la restauration. Ouais. Par rapport au franc-maçon. On va visiter deux jours, hein, parce que bon, on a été trop par le temps. Ouais, en arrivant, la nuit est vite tombée. Et on n'a pas eu le temps de faire une visite de jour. Donc voilà, là c'est, vous l'avez reconnu, hein, la galerie des armes. Là, on a ce qu'on appelle une salle à thème asiatique. Oui, la baronne Elisabeth donc, a fait plusieurs aménagé plusieurs salles au rez-de-chaussée. Des salles à thème pour, ben, par exemple ici, s'il y a un repas asiatique, et ben, ils s'installent dans la salle asiatique pour avoir l'ambiance. Elle est très belle cette salle, elle est très en paix, on va dire, très, très posée. Là, il y a c'est des abeilles, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, ça a l'air d'être... Ah, on dirait des abeilles. Des abeilles, ouais. Il doit y avoir un guêpe ou quelque chose comme ça. J'irais pas y mettre tes mains. Hein. Non, un essaim plutôt. Le miel, faire le miel.
c'est la fameuse cage à oiseaux. On n'a pas trouvé pourquoi, mais tout se déclenche sur cette table. Principalement. Ouais. Il doit y avoir sacré mémoire. Ici, sur cette table, mais il y avait aussi sur la fameuse chaise. Ouais, la chaise et puis un peu là, là. Ouais. Je vous présente le bourreau. Vous verrez plus tard pourquoi. Non, ou peut-être que vous l'aurez déjà vu. Ou pas. Pas. On a raté là, avec les bêtises, on a raté la salle marocaine. Bon, on verra ça. Ah, oui, on la fera après. Là, c'est un peu glauque. Je soulève le voile. Voilà. Bonjour madame. Là, c'est la salle de conférence. Initialement prévu de conférence. Le pied dans la queue. Là, c'est les folies bergères. C'est ma salle préférée. C'est le lido. Tiens, j'avais pas vu. Bah, tu vois, ça donne là-bas, vers le la cuisine. D'accord. Ah oui, vous connaissez Guilherme Simor? Tu connais, non? Ah oui. Guilherme Simor, on est constaté. Il y a un chiffon, hop, il n'y est plus. Voilà. Les sièges, ils sont faits avec... C'est des sièges, anciens sièges de cinéma. C'est des sièges de cinéma. De retour dans la salle d'armes. Oui. Madame la baronesse. Ces animaux qu'il y a là, sinon, tous empaillés. Ah ouais, c'était la tradition. Non. Ça fait partie de notre culture ancienne. C'est... Non, ça c'est la salle chinoise, asiatique. Il me semble avoir écouté quelqu'un parler. Donc c'est celle-ci. Donc là, c'est la salle... C'est la salle marocaine. Pour les repas marocains à thème. Et en même temps, t'as vu, ça fait une moustiquaire. S'il y a des moustiques, foot foot. Ouais. Il lâche le côté. C'est pas mal. C'est sympa, un drap comme ça, un filet pendu. Ça fait vraiment un style.
faire voir quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas. Le Mahakala. Donc je crois que c'est un dieu hindouiste qui fait peur comme ça, mais qui est fait exprès pour protéger les esprits. Voilà, c'est un guide de protection. Voilà, quelqu'un qui viendra avec une mauvaise intention, en fait, ne va pas rentrer dans ce lieu. Elle va faire demi-tour, elle va être rejetée. Elle se sentira mal. Ouais. Du coup, on va peut-être monter en haut. Les escaliers, je pense qu'on les a fumés une paire de fois là. Ouais. Vous verrez. Enfin, ça sera peut-être coupé. Il s'est produit quelque chose en arrivant. C'est que en déposant les affaires dans la chambre, on est redescendu. Il y a eu un bruit de bête. Oui. Qui a bramé ici. Juste quand on est passé sous le fameux chevreuil, cette étincelle. Oui, c'est vrai. Juste derrière. Là. Voilà. Donc évidemment, je n'avais pas la caméra. Comme expliqué lors de l'enregistrement et hors caméra, nous avons écouté un bruit d'animal retentir dans les escaliers, pile juste en dessous de la fameuse tête empaillée que vous avez pu voir en gros plan. Il est bien évidemment que c'est avec frustration que nous n'avons pas pu capter ce son, ce bruit d'animal. C'est très très grand. Et encore, on est dans une infime partie. Le premier étage, c'est habité par Madame la Baronne. Voilà. Ensuite, au deuxième, il y a Jérémy. Voilà. Au passage du chemin de ronde, là où était visiblement, d'après la légende, ce qui se dit, moi je n'ai jamais lu encore, Lucie, apparemment. Après, bon, c'est pas une légende, hein, c'est vraiment une histoire vraie. Voilà. C'est un peu dangereux pour le coup. Voilà. C'est là où a été enfermé par Madame Lafayette, une fois que son mari était parti faire la guerre, voilà, il avait courtisé Lucie et il s'est retrouvé ici. Et visiblement, depuis, elle a enterré les yeux du chemin. Je suis passé en
que voilà. Voilà, voilà. Donc on va aller jusqu'au fond. Hein. Voilà. Bon, il ne s'est pas passé grand chose hein, ici. Hein. Faut le dire. Hein. Donc. J'ai juste passé un peu comme ça et puis. Donc à savoir qu'on n'a pas pu aller. J'écoutais un bruit, bien sûr. C'est pénible parce que les bruits sont rationnels. Quoi. Donc, c'est pénible quoi, dans ce genre de. Enquête quand il y a du monde et tout qui vont et qui viennent, c'est très pénible quand même. Voilà. Discutant avec le fils de la baronne, Jérémy, il nous apprendra qu'il y a quatre empreinte de chien le long de cette allée. Alors je sais qu'il y a des pattes. Il faudrait que je mette de la lumière. Là, ici. Il y a les empreintes d'un chien avec. Il y a deux griffures à l'avant. Et également, on retrouve ces traces ici. Donc là, apparemment, c'est la table que Napoléon aurait offert au propriétaire de l'époque. Cette violence là dans ses armes, c'est très ça donne des frissons. Et donc là c'est la salle traditionnelle. C'est moi qui viens de faire un bruit. Voilà, c'est le salon qui est resté avec l'ambiance de l'époque. La cheminée. Et donc là où nous allons faire une séance de guéridon. Superbe soleil aujourd'hui. Ça réchauffe les intérieurs, ça fait un bien fou. Parce qu'il fait vraiment très froid. C'est très dur de mener une enquête dans ces conditions. La visite des lieux étant finie, nous pouvons laisser place aux investigations. C'est bon? Ok. Et alors, commençons. Déjà, est-ce que tu trouves déjà il y a une odeur particulière ici? C'est vrai. Un peu de biophile. Une odeur ancienne en tout cas. Ouais, wow, c'est. Donc on a tout. C'est ça, la salle des armes. La salle des armes.
Bon, il n'y a pas trop de... Une superbe salle. Ouais. Méga cage à oiseaux, là. C'est magnifique. Il n'y a pas trop de... C'est endormi tout de suite. Par contre, c'est... La salle des peintures, on ne l'a pas vue. Ah non, par contre, moi, je crois qu'on ne l'a pas vue, la salle des peintures. Effectivement. On va qu'on lui demande. Ouais. Après, peut-être qu'on a... Bah, si on a l'autorisation, bien sûr. Ouais. Il y a de la fatigue ici. Non. Pas pour le moment. Non. Dans la salle. Surprise. Des. du piano, des concerts. Ah oui, la salle de concert. Des concerts. Avec le piano. Joue-nous un morceau. Oh, ça sonne fort, hein. Ok. C'est pas aujourd'hui que je serai... Que je serai professeur. Bon, on en jouera un petit peu quand même. Ouais. En fait, ah, il y a plein de trucs sur le... Comment ? J'avais appris des notes, mais... C'est pas ça une billette. Des masques vénitiens. En visionnant les roches, que je n'ai trouvé aucune explication quant au son qui va se produire après ma voix dans la scène suivante. T'as trouvé? Donc on vous présente la Spirit Vox, Voice. C'est Spirit Voice, oui. Et à quoi c'est quoi la Spirit Vox, Voice? Il y a un annuaire de plusieurs mots qui sont dedans. Ouais. Donc s'il y a une manifestation fantomatique, alors, je vais dire ça comme ça, une entité ou quelque chose comme ça, et ben au travers de cet engin là, elle peut parler, enfin, elle peut dire quelque chose au travers de cet engin. D'accord. Donc l'esprit que peut communiquer, nous dire des mots à partir de cet appareil. Voilà, tout à fait. Après il y a un mode, donc il y a un mode Ouija. C'est juste oui et non, quoi. Pour le moment, il n'y a pas grand monde. Hein. Nous avions détecté une présence dans la salle du piano. Mais hélas, aucune manifestation s'est fait ressentir. C'est alors que nous revenons sur la salle d'armes. Quand tout d'un coup... Ah, il y a quelque chose là. Par contre, ça s'excite bien. Hein. Mm-hmm. Ça, ah oui, là, ça s'excite bien. Et bon, s'il y a quelqu'un parmi nous, au travers de la machine que j'ai là, il peut se manifester quand il veut. Hein. Donc si vous avez un message à dire, à faire passer, on n'est pas là pour vous embêter, hein, vous nous le dites, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, bon, voilà, hein. C'est vous qui voyez. Voilà, n'hésitez pas à nous communiquer quelque chose. Je rappelle, donc, j'ai une boîte qui est faite exprès pour exprimer ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, voilà, nous ne sommes pas là pour vous déranger.
Au contraire, si on peut voir une communication ensemble, ça sera avec plaisir. Bon, voilà, en tout cas, bon, il y a vraiment quelque chose sur cette chaise. Il y a quelqu'un. Je pense que depuis tout à l'heure, j'ai remarqué de toute façon depuis tout à l'heure qu'on était sur lui. Depuis qu'on a joué au piano et tout ça. Donc voilà. En tout cas, faites-nous savoir. On est là pour ça. Voilà, donc il y a un bruit derrière, c'est Cathy. Hein, donc voilà. Évidemment, ça va pas être facile dans ces conditions-là. Voilà. Ça n'arrête pas de s'exciter. Hein, le K2 s'excite. Ce que je vais faire. Attends. Tiens, je vais donner ça. Si je peux prendre. Je vais mettre ça pour voir si ouais, aussi, ouais, c'est possible. Ouais, là, à côté de l'autre. Par contre. Oh là là, ça n'arrête pas de bouger là. Ouais, bien. Ouais, c'est... Il y a vraiment un truc. Alors, j'espère que c'est pas la Spirit Voice par contre qui fait écran sur le K2 là par contre, hein, pour le coup. Mais attends, je vais la retirer. Je vais juste voir avec cet appareil qui est un détecteur d'électromagnétisme. Pour voir s'il n'y a pas des... Vous pouvez vous approcher de cet appareil que je tiens dans la main droite. Pour voir s'il n'y a pas de d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Pas d'électricité, vous voyez, donc voilà. Par contre, tac, hein, si je m'approche de là, il n'y en a pas non plus. Donc ça, ça je veux dire, c'est pas électrique, quoi. Ouais. C'est pas voilà, bon. Voilà, s'il y a quelqu'un... Et on sait. Bon, il n'y a pas... Ah, si ça c'est un moustique. Enfin, pas un moustique, mais il y a un insecte. Ouais. Apparemment, alors, c'est par moment. Par moment, et bon, là, apparemment, il est tranquille. Mais tu vois, c'est ça qui est curieux, c'est par moment. Sinon, ça serait tout le temps. Ouais. En tout cas, faut pas avoir peur. Hein. C'est peut-être ironique ce que je dis, mais faut pas avoir peur. Pas... Bon.
En tout cas, c'est fou parce que la batterie était pleine. Elle était pleine, la batterie. Et d'un coup, en 5 minutes, presque tout cramé, quoi. Bon, du coup, on a été un petit peu interrompu, donc c'est normal. Hein. Par contre, entre-temps, la nuit a vraiment descendu. On voit là déjà que l'énergie, elle change. Ouais. On a l'impression que, de toute façon, entre le jour et la nuit, c'est pas pareil, quoi, déjà. On sent que ça se réveille, quoi. Il y a un truc qui se réveille. Je vais rallumer de la gaspille. C'est noir là, c'est noir là. Alors. Oh, je me suis fait peur dans la glace. Ouais. Mais dans le miroir là. On est complètement dans le noir. Voilà. Oui. On va reprendre. S'il y a quelqu'un. Vous pouvez vous manifester. On est là pour ça. N'hésitez pas. Si tu vois mon sac dans le coin. Ouais. Ah, c'est bon, il est là. Je coupe, je le récupère. Et elle clignote la caméra là. Alors, je vais essayer de prendre des photos par. Ah oui. Par flash. Si ça va bien marcher. Mais c'est pas moi qu'il faut photographier. Je sais pas trop si ça fonctionne. Comme ça. Je vais pouvoir en prendre plusieurs. Ouais, c'est peut-être le reflet. Ouais. Je prends plusieurs comme ça. Et la chaise a été là, je crois. Bon, c'est bon, on verra plus tard. Après cette séance de photos, nous avions décidé de faire un petit répit, mais de courte durée. Il y a quelqu'un. Bon, alors ça s'excite partout. Que je te rentre pas dedans non plus. Rien du tout. On va quel âge. Mais il n'arrête pas de se déclencher. Ouais, ouais. Il n'arrête pas du tout. Du coup, bah, j'ai même pas la spirit box. Je pense que je vais la chercher. Ouais, ouais, ouais. Hello. Merci. Vous pouvez recommencer, là, s'il vous plaît. Vous approchez de l'appareil que vous venez de faire sonner. Alors, il y a des ombres qui passent, mais c'est peut-être la poussière ou quelque chose comme ça. Ils sonnent plus. On fait peur. Apparemment, c'est on fait peur aux esprits. Merci. Il y a une ombre qui vient de passer sur. Génial. Voilà. Alors. Il sent du froid là. Ouais, moi aussi, mais j'espère que c'est pas un insecte. Pour le coup. Bah écoutez, on va attendre.
Ouais, il y a une bestiole qui tourne autour. Hein. Donc, je vais peut-être déplacer le truc. Alors, s'il y a des bestioles qui viennent nous embêter, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. T'as trouvé? Ouais, je vous dis la vie. Est-ce que c'est le son des clochettes que vous aimez? Bon, alors moi c'est petit. Mais oui, c'est un truc à l'oublier là-dedans. Parce que la femme pense, voilà. Du coup, ça sonne plus. Bah ouais, mais à côté ça sonne plus, c'est dommage. Donc ça me fait peur. Non, mais faut pas avoir peur de nous, hein. Alors là, vous pouvez vous amuser avec nous, parce qu'on aime bien s'amuser, mais on peut déjà faire connaissance si vous voulez. Donc, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main, droite? Et essayer de nous dire quelque chose à travers la banque de mots qui se trouve dans l'appareil. C'est possible. Si ça ne vous est pas possible, est-ce que vous pouvez refaire sonner le pod qui se trouve, je ne sais plus, parce que je vois rien du tout. Devant la petite maquette. D'accord, mais en face de moi. Je vais me pousser un peu, si des fois ça vous dérange. Vous aimez la petite musique. Voilà, donc vous pouvez le faire sonner. Non, merci. Ce n'est pas moi. Merci, merci. Oh. Merci, stop, 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 stop. Merci, 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 merci. Stop, stop, stop. Est-ce que... C'est moi qui ai le cadeau du coup. Non, c'est moi aussi. C'est toi. Attends, j'ai posé des trucs. Vous avez arrêté parce que vous êtes stop, 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 stop. Voilà. Est-ce que, on va communiquer, est-ce que vous pouvez juste déclencher un petit coup? Et ça sera un oui. Faire bip. Bip. Allez-y. Allez. C'est juste vous approcher, l'effleurer dès que ça sonne, tout l'éteindre. Voir si c'est possible pour vous. Merci. Merci, merci. Ça fait de la musique, hein, donc. C'est pas trop longtemps, pas trop longtemps. La madame, la baronne, elle va déranger. Stop, stop, stop. Il ne faut pas déranger madame la baronne. Parfaitement voir le spirituel. Ça casse les oreilles. J'ai un boîtier dans la main, donc si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez. Hein. Ça vous casse pas les oreilles, vous? Voilà. Vous pouvez dire un mot dans l'appareil que j'ai. Hein. Faut pas hésiter.
Putain, j'ai... Non, c'est bon. Vous aimez le bruit que ça fait quand ça se déclenche? Est-ce que vous l'entendez, ce bruit, d'ailleurs? En tout cas, merci, parce qu'on sait que, que quelqu'un est là. Et ça s'est déclenché en même temps, le cadeau. Oui, en même temps, ça s'est déclenché. Ils ont foutu des frissons juste avant que ça sonne. Ok, il y a... Par contre, j'aimerais bien qu'il dise un mot quand même. Non, non. Je vois. Merci. Je vois, ouais. Alors, je vais répéter sans cesse. Hein. Vous pouvez dire quelque chose, hein, si vous avez assez d'énergie, hein, bien sûr. Ouais, ce serait bien de nous dire un mot, ne serait-ce pour savoir si c'est, si vous êtes un homme, une femme, votre prénom, ce serait cool. Est-ce que si ça vous est possible, bien évidemment. Bon, si on ne sait pas faire les choses impossibles, et si vous pouvez dire un mot dans l'appareil que tient Pascal de la main gauche, on pourrait savoir à qui on parle. Votre prénom. Ou une année. Ou si vous êtes un homme, une femme. Là, vous pouvez piocher un mot qui, pour nous, nous permettra de mieux vous connaître. Et peut-être mieux communiquer avec nous, vous, parce que nous, on ne vous voit pas. Putain, tu tiens un carillon, là, avec toi, non? Oui, je l'ai, là. D'accord. C'est vrai que c'est trompeur, je vais peut-être le poser. Peut-être avec celui du fond, du cou, parce que j'avais l'impression que c'était celui du fond. C'est pas le bruit du carillon qui gêne. Tu sais? Peut-être, hein. La musique, on sait qu'ils aiment bien la musique. Hein. Est-ce que vous aimez le bruit du carillon? De la musique que je tenais dans la main? Ils sont timides. C'est incroyable, il n'arrête pas de se déclencher. Ils sont timides, hein, c'est ça. Ce serait cool si on pouvait avoir un mot. Ouais, c'est en plus, il y avait un mot en plus, même en chuchotant, on est là pour ça. Hein. Voilà, en essayant de chuchoter, ça se déclenche là. Ouais, cet appareil là, juste à côté, si vous pouvez nous dire un mot, ça serait vraiment gentil. Savoir si vous êtes tout seul, si vous êtes plusieurs. On a quelques doutes sur le fonctionnement de cet appareil, donc on voudrait être sûr qu'il marche bien. Donc c'est pour ça. Mais déjà, c'est vrai, là, le K2, il s'enclenche, le pod s'enclenche. Si vraiment vous pourriez essayer de nous dire un mot dans l'appareil, ça serait magique, quoi. Magique pour nous. Parce qu'en fait, nous, on est en 2023. Voilà. Et en fait, on n'est pas sur le même plan, donc on ne sait pas si vous nous voyez, et on ne sait pas si... Et nous, on ne vous voit pas, en tout cas. Grâce à ces appareils, on vous entend, mais on aimerait communiquer un petit peu mieux, si c'était possible, pour échanger. Je vais peut-être poser le... L'appareil à côté, peut-être que ça sera peut-être plus...
ça sera peut-être plus facile pour vous. Vous êtes toujours là? Je règne. C'est sur la cage. Hein. C'est sur la cage. Mette à la cage. Attends, je vais allumer si tu veux. Là, voilà. C'est bon. Là. C'est bon. C'est peut-être nous. Ouais, du coup, c'est peut-être nous. Ou pas. C'est vous qui avez déclenché l'appareil? Est-ce que vous êtes habitué à ce genre d'appareil ici? Moi, j'ai envie de dire certainement que si, si vous habitez les lieux, si vous êtes souvent ici. Mais est-ce que vous habitez ici ou est-ce que vous êtes de passage ici? Oui, ils sont muets. Comment? Ils sont muets. Ben... Bah après, peut-être ils font ce qui... Ah, ça se déclenche là, le cadu, il se déclenche. Je vais juste regarder mon téléphone si je suis en mode avion. Je ne me souviens plus, normalement oui. Mais... De toute façon, il est juste à côté. Il se déclenche... Non, il est en mode avion, mon téléphone. Ouais. Alors, est-ce que vous aimez la musique? Vous voulez que je retienne des petites clochettes dans ma main, là, ce qui s'appelle un carillon. Je ne sais pas si ça existait à votre époque. Hé, hey, vous êtes toujours là? Avec nous? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Ou est-ce que vous vous sentez coincé? Est-ce que vous aimez l'endroit où vous êtes tout de suite? Est-ce que vous voyagez? Oui. Voyagez. Donc vous n'êtes pas tout le temps ici, dans ce château? Je sais peut-être que je parle trop vite, du coup ça peut répondre à une question que j'ai posée avant. Peut-être. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, déclenchez l'appareil. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, déclenchez l'appareil. Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous voulez qu'on mette des balles ici, par terre? Des jeux? Nous, on a les jeux d'ailleurs, tiens. Ouais, par contre... Ils sont ouais. On risque de se casser la figure. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas du tout, du coup. Ça doit être dans mon sac. Allez. Oh! Il y a une bestiole qui tourne autour, c'est pas possible. Tu crois? Je sais pas. Tu penses qu'il descend de place? On va peut-être changer de place. C'est la cage à oiseaux. Tu changes de place. Ouais, on va changer de place parce que là... Stop. Ouais, du coup, là... Voilà. Bon. Bon, on a changé de place pour être sûr que ce ne soit pas des insectes qui déclenche l'appareil. Mais un insecte, ça ne va pas déclencher qu'à deux. C'est vrai. C'est vrai. Je vais mettre le cadeau à côté. On va voir si ça correspond. Voilà. Est-ce que vous pouvez déclencher à nouveau l'appareil?
Il y a les caméras infrarouges, mais c'est moins ça, peut-être. Ouais, ouais, là-bas, oui, 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 oui. C'est nous. Bon. Est-ce que vous pourriez nous faire un bruit? Dans cette salle? Un bruit que l'on puisse entendre, comme taper dans une porte, dans un mur, sur le plancher. Allez-y, on vous écoute. Vous êtes parti? Est-ce que vous m'entendez? Tout est devenu calme. Ouais, j'ai l'impression que ça a changé de... Ouais, et en même temps, il y a le froid glacial qui commence à ouais, venir. Ça commence à percer le froid là. Ouais. Il ne faut pas réveiller madame une sœur. Ils ne dépensent pas par contre. Ouais. C'est pour ça peut-être que... Est-ce que vous pouvez dépenser l'appareil qui est à côté? Si vous en avez poussé. Parce que là au-dessus, on est au-dessus là. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je change aussi un peu de là. Merci. Voilà un petit coup comme ça, c'est cool. Vous pouvez refaire un petit coup, tuc. Tuc. Ouais, ça c'est cool. Bon, écoute. Alors, est-ce qu'on peut communiquer comme ça? Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, faites déclencher l'appareil. Merci. Si vous êtes une femme, si oui, est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil? Stop, stop, stop. Est-ce que c'est mort? Non mais c'est pas possible. Ouais, non mais je pense que là, il y a des bestioles qui t'ont passé, c'est pas possible. Je sais pas. Mais j'en vois pas de bestioles en plus qui est à côté là. On peut pas baisser le volume. Mais non, je peux pas. Non. Vous pouvez vous approcher de cet appareil que j'ai dans la main gauche? Dans l'appareil que j'ai là, dans la main gauche, est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Ouais, par contre, la batterie ne tient pas, quoi. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Elle descend un truc de fou quoi. Est-ce que c'est vous qui utilisez la batterie de la caméra, de l'appareil que Pascal tient dans sa main droite?
Bon, on va peut-être stopper là. Ouais. Parce que de toute façon. C'est limité quoi comme une communication. Oh ouais, c'est limité et puis. Vous avez des bruits. Allez, éteins le sur le côté. Voilà. Allez, c'est là. Est-ce que vous pouvez allumer le K2? Alors, en allumant, il suffit de vous en approcher, comme quand vous vous approchez de l'antenne de l'autre appareil. S'il vous plaît. Ça confirmerait que c'est bien une entité. Enfin, une entité, je ne sais pas si vous vous percevez comme ça, que c'est bien quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous approcher du K2 s'il vous plaît? L'appareil là. Si je le pose. Là. Est-ce que vous pouvez vous en approcher comme vous l'avez fait avec l'autre? Alors ça fait pas de musique. Mais nous ça nous fait des lumières. Tout est redevenu calme dans la salle d'armes. Le K2 et le pod ne réagiront plus. Quant à la Spirit Voice, il ne se déclenchera pas non plus. C'est alors par un moment de répit que nous allons poser d'autres matériels dans le chemin de ronde en espérant que l'on puisse capter quelque chose. Oula, si je me casse la gueule, ça va pas aller. C'est vraiment mais une ambiance assez particulière. Hein. Avec les sacs, la tiraille, tout ça, c'est... la vache. Pas se casser la gueule. Hein. J'ai toujours le boîtier dans la main, donc si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez. Thank you.
pas écouté. Quel sens si je mets la caméra fixe. Ouais. Je sais pas si je la mets là ou si je la mets au fond. Comme tu le sens. Je vais avancer. Ouais. J'ai deux bras, je n'ai pas 36 ou 6. Je vais le mettre au fond là-bas. Ouais. La caméra. Coupe-la. Hein, quand tu... Comment ? Coupe-la quand tu la poses là. Non, mais la caméra fixe, hein, je parle. Quelque chose d'écrit sur le mur là. Je sais pas. Smoke. Il y a quelque chose d'inscrit sur le mur là. Je fais ça tout ça dans le noir. Alors le plus complet. Alors, puis quand on est là, il y a la cloche qui sonne. Bon, je pense que pour tout ça devrait être bon. Je sais pas, je sais pas du tout comment ça peut être passé droit, j'en sais rien. Vraiment que ça soit au milieu, quoi. Hein. C'est quoi ça? Je suis pas facilité. 1848. Ouais. Il y a ouais. un 8, un 4, un 8. 1848. Et à côté, il y a un truc. S-Small. Je vois pas après. C'est pas un truc au-dessus, mais c'est... Ouais, mais c'est après, ça. Avec la lumière... C'est... Alors, attends. C'est quand même spécial. Pile quand on va dans le chemin de ronde, ouais, ça sonne à du ça sonne. C'est quand même assez étrange. Donc là, il est en train de mettre des lumières. Ouais, des belles bougies. Voilà. Comme ça, au moins, ça,
ça réveillera un peu si je marche sur n'importe quoi. Il y a des inscriptions sur le mur, c'est incroyable, quoi. Je sais pas à quoi ça correspond, quoi. C'est... qu'est-ce que c'est que ça? Bon... Je me demande si vraiment cet appareil marche, quoi. Tu sais, après, comme des poils, et puis ces poils qui n'arrêtent pas de se reclencher, alors que ouais. C'est la première fois qu'ils se déclenchent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai le boîtier dans la main. Le bruit émis à l'instant, c'est Cathy qui le fait avec la porte. Rien ne se passera dans le chemin de ronde. C'est alors que nous décidons de faire une petite séance de guéridon. Et quand vous allez entendre, un son inattendu va se produire. T'es pas un petit peu prêt? Non. Cette séance de guérison. Guéridon. Ce sera peut-être une séance de guérison. De guéridon. Tout de suite. Voilà. Et lorsque l'on fermera la séance, eh bien nous couperons l'énergie avec les entités, les esprits, et tout ce qui pourra se présenter. Nous fermons la porte des esprits, des glaudes. Voilà. Donc là, nous ouvrons la porte et nous allons essayer de communiquer avec les présences dans ce lieu. Donc on met juste le bout des doigts. Donc s'il y a une entité qui est ici, présente ce soir avec nous, merci de faire bouger ce guéridon qui est sous nos mains. Est-ce qu'il y a une entité qui est présente avec nous ce soir, qui voudrait communiquer avec nous? Nous sentons une présence. Est-ce que c'est bien cela? Nous vous remercions. Tu frôles toi aussi? Ah oui. Moi je suis juste posée comme ça, je bouge ni à droite ni à gauche. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Dans ce cas, est-ce que vous pouvez faire bouger ce guéridon
le tourner, le bouger. On veut juste communiquer avec vous, dans la bienveillance. Il y a également des objets dans la pièce. Vous pouvez interagir avec si vous voulez. Après, nous ne sommes pas là pour déranger, donc n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Est-ce que c'est une femme qui est avec nous là tout de suite? Est-ce que c'est un homme? Alors vous pouvez répondre un coup oui et deux coups pour non, si vous le souhaitez. Ouais. On n'impose rien du tout. Sinon déjà bouger. Et après on verra en fonction de nos énergies communes, ce qui sera possible de faire. Mais après c'est dur parce que pour taper, c'est un tapis qui est en dessous. Oui. Taper sur quelque chose, sur la table en elle-même. Mais déjà, tu vois, si ça fait tac-tac, ouais, on peut comprendre, ouais, que c'est un coup. Ouais, c'est pas un guéridon comme les autres. Ouais, mais ça suffit. Mais il a bougé quand même là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez rire? J'écoutais un bruit. C'est vous qui avez fait ce bruit? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. J'écoutais un bruit. C'est vous. J'écoutais un bruit. C'est vous. J'écoutais un bruit. Quelqu'un avec nous là au niveau de ce guéridon. D'accord. La personne. C'est calme. C'est calme. Il n'y a strictement rien qui se déclenche. C'est strictement rien. On nous avait dit qu'il y avait du monde ici, mais. Moi, je vois personne. On a écouté beaucoup de choses à votre sujet, mais on commence à... à douter. À douter un peu s'il y a vraiment quelqu'un. C'est vous qui avez bougé le guéridon?
pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le pencher à ma droite? Vous l'emmenez vers moi? Est-ce que ça vous est possible, ça? Est-ce que c'est la bougie qui vous gêne? Ben, j'y pensais, justement. Si je la mets ailleurs, ça gêne, là, ou pas? Non, tu peux la mettre ailleurs. Je vais la mettre ailleurs, parce que j'y pensais aussi. Sur la table. Voilà, oui. Pouvez-vous refaire un bruit, s'il vous plaît? Pouvez-vous taper deux coups? Rien qui s'étanche, rien qui fait du bruit. Vous voulez pas nous parler, c'est ça? On vous fait peur? Vous voulez pas, voilà. on se connaît pas, c'est vrai. Ben justement, c'est pour faire connaissance. On vous veut pas de mal. Certainement pas. On est dans la bienveillance. On aurait bien du mal à vous faire mal. Ouais. Nous allons arrêter cette séance s'il y a personne intéressé et en capacité de faire bouger ce guéridon. Un dernier appel pour cette séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous par l'intermédiaire de ce guéridon? Bon, écoutez, on vous remercie de votre accueil. Merci. Nous avons été très contents de discuter avec vous-même. Avec nous-mêmes. Voilà. On ne paraît pas pour des imbéciles du tout, hein, n'est-ce pas? On nous verrait, on dirait ils sont... Trapalingues. Ouais. Voilà, non, vous ne nous aidez pas à communiquer avec vous depuis l'autre monde, quoi. C'est dommage. Voilà, bon, bah écoutez, on vous remercie et puis... On ferme la séance, on ferme le canal du guéridon. Après cette séance de guéridon qui n'a pas été foncièrement éloquent, c'est alors que nous décidons d'interroger les baguettes. Et comme vous le verrez, l'expérience sera beaucoup plus intéressante. C'est bon. Okay. Je vais me mettre dans le coin là-bas. Ici, dans le coin là.
C'est un système que j'ai inventé pour la protection, la guidance et la permanence. Tout le monde croit. Maintenant, je vais demander aux baguettes où est-ce que... dans quelle salle on peut se diriger. D'accord. Pour communiquer avec vous. Donc, on va essayer de suivre les baguettes dans le noir. Oh punaise. Ça va être pratique dans le noir. Donc, écoutez, on va essayer. Donc, tu veux pas que je mette un peu de lumière? Ouais, T'as qu'à mettre ta... Enfin, une fois que t'as avancé, tu mets ta frontale. Ouais, le problème, c'est que je vais éteindre mes pompes. Attends. Je vais mettre là, le cadre, qui est allumé. Donc, on va écouter, je suis les baguettes, hein, d'accord. C'est pas pratique du tout. Absolument pas. Le problème avec ces baguettes, il faut que ça soit stable. Sinon, tu prends l'aube antenne. Non, Dieu, c'est trop tard. Attends, j'ouvre la porte. Ouais. Si je trouve... Je vois pas trop moi les baguettes, alors je te suis comme je peux. Alors je ne sais pas, on arrive devant ce soudain. Ah bah on peut peut-être faire une communication avec ce soldat. Essayez avec les baguettes. Demandez si c'est... Enfin, oui, non. Il y a une présence ici. Donc, quand les baguettes s'ouvrent, c'est lui, quand elles se ferment, c'est moi. Donc, est-ce qu'une entité présente ici a porté cette armure? Non. Est-ce qu'il y a une présence ici, dans cette salle? D'accord. On peut demander combien il y a de présence et que les baguettes s'ouvrent une fois qu'il y a le nombre de présences. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a plus de 10 présences?
Non. Est-ce qu'il y a plus de 5 présences? Est-ce qu'il y a 4 présences? Deux présences. Oui. Visiblement, il y a deux présences. Est-ce que c'est deux femmes? Alors, est-ce que c'est deux femmes? Non. Est-ce que c'est deux hommes? Non. Un homme et une femme. Compliqué à garder les baguettes stables parce que donc elle t'a emmené ici, elle t'emmène ici les baguettes ici. Alors est-ce qu'il y a une présence ici entre l'homme et la femme? Oui. Est-ce que c'est la femme? Attends. Est-ce que c'est la femme? Donc c'est l'homme. Ouais. Avez-vous vécu dans ce château? Oui. Êtes-vous décédé dans ce château? Non. Oui, j'arrive pas à voir. Non. Est-ce que vous seriez prêt à communiquer avec nous en Ouija ou avec n'importe quel instrument? Oui. Avec la Ouija, c'est possible? Maintenant? Oui? Non, ça ne répond pas. Est-ce qu'on peut communiquer avec vous maintenant avec la Ouija? Oui, on peut essayer. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas concluant. Non, c'est pas concluant. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Non. Est-ce que vous avez connu la dame qui est aussi présente ici? Est-ce que c'est vous tout à l'heure qui avez déclenché l'appareil sur le meuble, l'appareil qui faisait du bruit? Non. Est-ce que c'était la dame? Est-ce que vous savez? Est-ce que c'est la dame? La femme? La présence féminine? Non, il n'y a pas l'air de savoir. Est-ce que avec les outils que nous avons apportés, le matériel, est-ce qu'on peut communiquer autrement avec vous?
Ouais. Est-ce que ça vous est possible avec les appareils qui font du bruit, les toucher, enfin les toucher, s'en approcher pour que ça sonne? Non. À conclure, il n'y a pas de réponse. Ouais. On a un appareil aussi pour lequel vous pouvez nous dire des mots. Il y a une banque de mots et vous pouvez choisir les mots afin que l'on puisse... Non. La Ouija? Après ça, il n'y a pas assez de puissance. Ouais, vous n'avez peut-être pas assez d'énergie pour communiquer avec d'autres façons? Ouais, c'est léger. Est-ce que vous êtes sur l'un de ces tableaux? Ouais. Est-ce que c'est sur un tableau du haut? Qui se trouve en haut? Un tableau en bas? Ça répond oui. Oui. Le tableau de droite, sur la droite de Pascal ou à la gauche de Pascal? Non, c'est celui-là. C'est alors qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau? Je ne sais pas du tout. Voilà. Je vais essayer de voir. Il y a plein de gens. Je vais allumer pour voir parce que je n'arrive pas. Oh. C'était une fête. Il y avait des gens qui dansaient, qui chantaient, qui mangeaient. Vous aimiez faire la fête? Est-ce que vous aimiez faire la fête? Non. Est-ce que ça vous ennuyait, tous ces gens? Ouais. Vous étiez mieux tranquille dans votre coin? Oui. Vous êtes comme nous. Vous êtes mieux tout seul. Est-ce qu'on vous ennuie tout de suite avec nos questions? Ah, bah c'est gentil, c'est sympa. Nous apprécions votre présence. Est-ce qu'il y a un endroit particulier dans ce château que vous souhaitez nous montrer? Un endroit important pour vous? De la caméra, je vois pas grand chose parce qu'on est dans le noir total, hein, les amis.
Est-ce que c'était votre chambre? Non. Est-ce que vous avez été enfermé ici? Non. Est-ce qu'il y avait des objets dans cette pièce? Est-ce qu'il y avait des armes? Des quoi? Des armes. Oui. Est-ce que c'était une cachette? Non. C'était pour vous défendre en cas d'attaque? Non. C'était les armes du château? Oui. Est-ce qu'elles vous ont fait du mal à vous? J'entends Jérémy. Est-ce que vous connaissez Jérémy? C'est un occupant actuel du château. Ok. Avec ses armes. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut descendre? Ouais. Je vais allumer. Je vais passer devant peut-être. Par là? C'est par là qui t'emmène? Comment? C'est par là qui t'emmène? Ouais. Je vais ouvrir les portes alors. Alors, est-ce que vous avez été puni dans cette tour? Non. Est-ce que vous êtes le gardien de cette tour? Est-ce que vous êtes... Ben non, c'est un homme, donc c'est pas Lucie. Est-ce que vous étiez un seigneur?
Un baron. On s'active, vite. Plus vite, allez, on s'active. Est-ce que vous étiez un soldat ? Non. Est-ce que vous étiez un enfant ? Non. Il a été dans la tour, il m'a dit, tu m'as dit. Vous avez été dans cette tour ? Oui. Oui. En tant qu'employé ? Est-ce que vous aimiez ce qui se passait dans cette tour ? Non. C'est bizarre, là. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient punis ? Oui. Est-ce que vous aidiez à cette punition ? Oui. Est-ce que les armes que vous nous avez montrées tout à l'heure... Oui. Oui, aidez. Est-ce que vous gardiez ce chemin de ronde ? Non. Est-ce que vous emmeniez les prisonniers jusqu'ici et vous partiez ? Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un de l'extérieur du château qui a emmené les prisonniers jusqu'ici ? Oui. Vous avez fait votre devoir ? Ok, merci pour ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici avec nous que vous ? Est-ce qu'il y a un gardien notamment ? Non. Est-ce qu'il y a une jeune femme ? Une jeune femme jolie ? Non. Est-ce qu'il y a des personnes, des prisonniers qui sont là ? Beaucoup de prisonniers ? Moins de 5 ? Entre 5 et 10 ? Entre 10 et 15 ? Entre 15 et 20, plus de 50, ouais, plus de 100, bon ben il y a beaucoup de prisonniers qui sont là avec nous, est-ce qu'ils sont là avec nous encore aujourd'hui? Non. En ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous ici ? Voilà, et donc en ce moment, avec vous, combien il y a d'entités de présence ? Est-ce qu'il y en a moins de 5 ? Entre 5 et 10 ? Entre 10 et 15. Plus de 50. On en retourne sur le même truc tout à l'heure. Oh. Excusez-moi, j'ai du matériel qui tombe. Bon. Et est-ce qu'il y a d'autres entités qui... souhaiterait communiquer avec nous dans la bienveillance ? Non. Elles sont malveillantes ? Oui.
Bon, ben reste avec moi. C'est curieux que vous reveniez dans ce château. Vous êtes là tout le temps? Vous aimez ce lieu? Ok. T'as d'autres questions, toi? Je peux pas. Non. Non. Est-ce que dans le château, il y aurait une autre entité, une personne comme vous, qui pourrait communiquer avec nous? Oula. Il n'y a que vous, alors. Pour l'instant, il n'y a que vous. Bon. Est-ce que ça vous plaît? J'ai mis des bougies dans ce chemin de ronde. Est-ce que ça vous plaît? Non? Vous aimez pas la bougie? Hein? C'est joli pourtant, non? C'est mieux que le noir? Enfin, nous on voit du noir là tout de suite. Est-ce que vous aimez communiquer avec nous? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont communiqué avec vous? Non, nous sommes les premiers? D'accord, et bien nous en sommes honorés. Est-ce qu'il y a un autre endroit que vous souhaitez nous montrer, qui a eu de l'importance pour vous dans ce château? Je dis un passage, je crois que la caméra ne marche pas. Derrière? Celle que j'ai pas. Ah, tu veux... Ah oui, elle marche pas là. Tu veux faire quelque chose avant de reprendre les baguettes? Oui, bah, non, du coup. On reviendra après. Ouais. Ah. Est-ce que l'on communiquait avec vous ici? Oui. On vous donnait des ordres depuis le bas? Non. Non. C'était juste un moyen de communication. Oui. C'est un truc qui a sonné. Oui. Un carillon qui vient de sonner. Ah, un carillon, oui. Est-ce que vous avez vu les carillons que j'ai posés? Non. Vous l'entendez? Est-ce que vous aimez ce son? Non! Ok. Vous pouvez nous montrer ce que vous aimez dans ce que l'on a emmené? Dans ce qu'on a emmené. Dans ce qu'on a apporté. Fermez les portes. La chouette. Mais c'est pas nous qui avons emporté la chouette. Je la montre. Et vous aimez cette chouette? Ouais. Est-ce qu'elle était là quand vous aviez
travailler ici? Non? Elle était là avant vous? Oui? Est-ce qu'elle a un lien avec... mais vous la connaissez pas, je crois, Lucie. Ça vous parle, Lucie? Non. Oui? Non. Non. Si je vois pas, je me mets comme ça. Ok, donc elle était là avant vous, cette chouette. Eh ben, c'est chouette. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons apportée. Il y a autre chose que vous aimez dans ce château? Ah, vous aimez regarder par la fenêtre. Ouais, là, ça va être compliqué. Il y a un tabouret là. Ok. Vous pouvez nous faire un bruit dans cette pièce? Non. Est-ce que vous nous voyez? Non. Donc vous nous entendez? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur de nous entendre et de ne pas nous voir? Non. Alors nous, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc c'est uniquement le mouvement de la baguette qui détermine le oui ou le non. Est-ce que tu ressens quelque chose, toi, Pascal? Là, je suis en connexion, donc... Ouais, t'es en connexion. Donc, Pascal, lui, est en connexion avec vous, donc il vous ressent. Pouvez-vous tourner la baguette de droite, de Pascal, à sa droite? Merci, revenez au centre. Super. Est-ce que vous pouvez... Ben non, il n'y a que vous. Vous avez dit... Il n'y a pas une autre entité qui peut communiquer avec nous? Oh. C'est vrai ou c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Parce que vous voulez rester avec nous? Bon, est-ce que vous voulez qu'on arrête la séance avec vous? Oui? Eh bien, nous vous remercions. Et ben, on vous souhaite une belle continuation. Et puis peut-être qu'on se reverra un jour. Merci. Au revoir. L'utilisation des baguettes telles que je l'ai fait dans ce passage implique une connexion médiumnique. Pour faire court, cela m'a directement envoyé dans la vie d'un tortionnaire au sein de ce château, bien entendu, qui amenait les prisonniers d'un point A à un point B vers la tour des pendus. Il était muni d'une arme, comme vous avez pu le voir précédemment, avec des pics. Une arme donc longue avec une boule remplie de pics, comme vous avez pu voir sur la fameuse table que Napoléon a offert au château. Il a mené donc les prisonniers vers la tour des pendus. En muni de cette arme, il faisait avancer les prisonniers
pour aller vite. Son rôle n'était dédié que pour emmener les prisonniers, et rien de plus. Une fois ces baguettes effectuées et cette connexion faite, nous allons nous rediriger vers le salon où nous allons y mener une séance de Ouija qui sera elle aussi assez riche. Donc, ben nous voici avec la planche de Ouija. Donc, est-ce que l'entité qui était en communication avec nous sur le chemin de ronde et depuis ici en fait, est-ce qu'elle peut venir avec autour de cette table de Ouija? Que nous ouvrons la séance. Donc, si l'entité présente ou une autre souhaite se manifester et nous communiquer un message, donc allez-y. Donc, est-ce que vous êtes là déjà? C'est toi qui as fait ça? Merci. Pouvez-vous nous communiquer, nous dire comment vous nous appelez? Comment vous appelez? Le goût est mal. Un B. Est-ce que si j'ai enfin, j'essaie d'allumer, non? Parce que là, on voit pas grand-chose, hein. B. Non, là, c'est pas une lettre. Donc, la première lettre, c'est le B. La deuxième lettre. E. Merci. La troisième lettre. N. BEN, c'est ça, hein? O. En fait, ça me tire sur les lettres. I. Benoît. Enchanté, Benoît. Bonjour.
Benoît. Vous êtes né en quelle année ? Vous êtes né en 1785. Merci. Est-ce qu'on vous dérange? Oui. Est-ce que c'est vous qui communiquiez tout à l'heure avec les baguettes de Pascal? D'accord. D'accord. Non, on est encore tombé sur quelqu'un d'autre. Okay. Est-ce que vous avez vécu dans ce château, dans le château de Vos? Merci. Est-ce que vous êtes mort dans ce château? Est-ce que vous aviez une grande place dans la vie de ce château? Non. Quel message vous auriez à nous communiquer? Vous. P, c'est ça? Oui. Oui. R. U. D, E, N, C, E. Prudence. Prudence, mais c'est sur quoi? Prudence, pourquoi, comment on peut... Prudence, ben pourquoi en fait? Pour... J. U. G. G.
R. Vous avez peur que l'on soit jugé par rapport à ce qu'on fait? Ok. Donc, Benoît, pour nous, nous sommes en 2023. Donc, nous sommes dans le futur comparé à vous. Donc, allez-y. P, c'est ça? P. Oui. E. S, c'est ça? U. I. M. P. O. R. T. E. Alors, attends, je mets en dessous. Il y a quelque chose qui ne comprend pas. P suit M P O R. Attends, porte, porte là. Porte. Peu importe. Ah oui, peu importe. Ouais, on dirait ça, ouais. Peu importe. Ah oui, peu importe qu'on soit dans le futur. Donc, il dit prudence, qu'on soit jugé. Mais peu importe que ça, dans la date où on se trouve. Mais jugé sur quoi? C'est ça que je comprends pas. Ouais, moi non plus. On fait quelque chose de mal? D'accord, donc c'est une consigne, une mise en garde. Et est-ce qu'on doit faire attention ici? Est-ce qu'on doit être prudent dans ce château? Est-ce qu'il y a une heure où on doit faire attention? Non. Est-ce qu'il y a un endroit où on doit faire attention? Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cet endroit? Est-ce que vous savez en quelle année vous êtes mort? D'accord. Un.
7, 8. Non, mais 8. Non, 1, 8. 6. 7. 1867. Ça peut coller. Ça peut coller, ouais. Ça peut coller. Vous êtes décédé, vous avez vécu longtemps pour votre époque. Non. C'est normal. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres entités avec vous ce soir, ici dans ce château? Oui, combien? 6. D'accord. Est-ce que vous connaissez Lucie? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chemin de ronde? Comment se fait-il? Bon, on a des appareils autour que vous pouvez interagir. Vous avez les deux pods qui se trouvent là-bas. Alors, sur la commode. C'est ça, les pods là. Si vous vous en approchez, en fait, ça sonne, ça émet un son. Il y en a un ici, il y en a un là-bas que j'éclaire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si vous les touchez, non, vous les voyez pas. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous voyez une forme de lumière? Non. Donc vous nous entendez uniquement. Non plus. Vous nous ressentez aussi. D'accord. Est-ce qu'on est des belles énergies? G. I. E. Alors, j'éclaire. Alors au début c'était personne n'a, c'était ça. Hein. Oui, c'est ça. Personne n'a. Donc mauvaise énergie. Personne n'a bonne ou mauvaise énergie. Ouais. D'accord, on a tous de l'énergie. D'accord, il n'y a pas de bon, de mauvaise énergie. Il y a de l'énergie tout court. Comme vous venez de constater, la séance du Ouija s'est arrêtée net. Il est resté une question, c'était de savoir quel métier faisait Benoît? Il était cavalier. C'est la seule chose que vous avez ratée. C'est donc en rentrant chez nous et en dérochant que nous avons eu l'incroyable surprise qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas correct. Ici en violet, ce sont les vidéos faisant suite à la séance du Ouija, qui comportait une séance de TCI avec une ghost box, spirit box, ainsi que des interpellations dans le chemin de ronde. C'est donc avec une frustration et une grande stupeur
que nous avons découvert que nous ne pouvons pas ouvrir ces fichiers de vidéo qui sont les seuls qui n'ont pas pu être ouverts sur les 2 jours. Il y a donc bien eu un problème sur la carte SD, mais lequel? Fort heureusement, grâce à l'application de Cathy sur son téléphone, appelé le Ghost Tube, nous avons pu capturer quelques vidéos supplémentaires. Cette application comporte une vidéo Kinect qui met en lumière, comme vous le savez peut-être, un squelette présumé d'une manifestation. Tout ceci est à prendre à la légère. En effet, l'application que je viens de vous énoncer n'est peut-être que le fruit fictif. Cela ne reflète certainement pas la vérité, mais les synchronicités qui se rajoutent aux expériences que nous avons faites sont pour le moins troublants. Ce sera bien entendu à vous d'en juger. Alors, séance de guéridon. L'appareil me présente des formes autour du guéridon. Là. Oh, il y aurait quelqu'un debout là. Il y a une table sinon derrière là. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chemin de ronde? J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a un garde? Est-ce qu'on peut rester ici? Si on ne peut pas rester ici, ce serait bien de nous le dire, de nous le faire savoir. J'ai un boîtier dans les mains. Vous pouvez parler. J'ose dire un mot dans la liste Alors, qui contient. Moi, il détecte quelqu'un entre les. Tu sais, il y a une bougie éteinte là. Au niveau de la bougie éteinte. Il y en a deux proches, après toi. Une, Ouais. deux, et après là. Juste après. Ouais. Il n'arrête pas de détecter quelqu'un là. Mais c'est une forme plus grande que tout à l'heure, tu sais. Là, ça fait vraiment un corps.
Vous pouvez vous approcher de nous, s'il vous plaît? Nous dire un mot, vous approcher du boîtier que je tiens dans ma main droite, afin que l'on puisse détecter votre présence, savoir que vous êtes là, car nous ne vous voyons pas tout de suite. Nous ne savons pas s'il y a quelqu'un, donc ce serait dommage. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Une entité? Un esprit? Là, ça réapparaît. Pouvez-vous aller sur la droite, sur ma droite à moi? Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît, de façon à ce que l'on puisse vous voir, vous entendre, vous ressentir. Vous pouvez faire un bruit également, par exemple avec une pierre, ou taper dans une poutre, ou taper à la porte là-bas, ou toucher un de nos appareils. Il y a un appareil au sol avec une antenne. Faites-nous un signe, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le garde que je vois? Est-ce que c'est Lucille? Lucie, vous êtes là? On ne vous a pas vu ce soir sur le chemin de ronde. Nous serons encore là demain, dans la nuit. J'espère que vous nous ferez honneur de votre présence. En tout cas, nous en serons honorés si vous pouviez vous présenter à nous. Nous vous rappelons que nous ne voulons aucun mal. Nous sommes là dans la bienveillance et la bonne humeur. S'il y a personne, nous allons partir. Ah, ça y est, quelqu'un qui s'est manifesté. Vous pouvez vous manifester à nouveau devant nous? J'ai l'impression de vous voir avec une jambe en moins. Ou sans jambe, un bout de jambe. Est-ce que vous pouvez aller à droite, s'il vous plaît? À ma droite. Ouais, donc là, vous êtes plutôt sur la gauche. Est-ce que vous pouvez aller de l'autre côté? Allez-y. Pour l'instant, mon appareil ne vous détecte pas.
Là, oui, je vous vois sur la droite. Je vous remercie. J'écoutais un bruit. Un bruit bizarre. J'écoutais aussi quelque chose. Vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Dans ce cas, pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes encore là? Je ne vous vois plus sur mon appareil. Si vous ne manifestez pas, j'ai du mal à parler. Je commence à avoir très froid. Ah, ça y est, je vous vois. Et à chaque fois que je dis qu'on va partir, vous vous manifestez. Est-ce qu'on doit prendre ça pour un signe ? Tu ressens quelque chose, toi ? Après, c'est peut-être les jeux de bougies qui font ça, tu sais, les ombres, je sais pas. Bon, ben, nous allons peut-être mettre fin à notre présence pour aujourd'hui. La soirée aura été particulièrement calme. La séance de photos que nous avons faite n'aura rien révélé du tout. La Spirit Voice ne se sera pas déclenchée. Et tout le reste du matériel sera calme tout le restant de la soirée. Quant au chemin de ronde, rien ne se déclarera. C'est alors que nous mettons fin à cette première soirée.